Scratcher dedans. C'est Rap Contender en fait. Qu'on va se clasher avec Olivier. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Bonjour à tous. Bienvenue à la dernière conférence du plateau média de ces deux jours de la troisième édition d'I Love Transmedia. Excusez-moi, je bafouille, je suis un peu fatiguée. Nous avons avec nous Rémi Jacob, journaliste, Olivier Missire de Brandcasters et Lorenzo Benedetti de Studio Bagel, pardon, qui sont là pour vous parler du financement privé de contenu culturel. Et je vais laisser sans plus attendre Rémi Jacob nous en dire plus sur l'intitulé de cette rencontre. Merci. Oui, merci Oriane, je suis ravi d'introduire cette discussion qu'on va avoir tous ensemble, on compte sur vous pour y participer, qui sera consacrée, donc, comme l'a dit Oriane, au secteur privé, à la création de contenu culturel. Donc, vous l'aurez compris, on va parler de brand content notamment. Alors, les marques, effectivement, de plus en plus, elles peuvent être très, très utiles pour les créateurs. À un moment de l'histoire où il y a une petite crise du préfinancement, où c'est quand même difficile d'obtenir des financements pour vous, créateurs, quand vous allez produire des contenus. Donc, l'objectif des débats qu'on va avoir, et surtout des présentations qui vont être faites, c'est de comprendre comment les marques finalement viennent s'inviter dans la création sans que ce soit préjudiciable pour les créateurs. Ça sera une des questions que je vous poserai, comment conserver sa liberté éditoriale quand une marque finalement rentre dans la danse et vient s'inviter dans un programme. Donc pour parler de ça, on a choisi volontairement d'être très concret, donc on axera notre heure et quart de discussion autour d'exemples avec deux intervenants toujours de premier choix et un casting de choc comme toujours à I Love Transmedia, avec notamment Lorenzo qui est un peu le marathonien de l'après-midi puisqu'il était tout à l'heure dans l'auditorium pour parler des multi-channel networks et il est monté d'un étage pour vous parler des merci Lorenzo pour vous parler de ces marques. En deux mots, je le resitue, Lorenzo, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, vous êtes le fondateur, Lorenzo, de Studio Bagel, donc collectif de jeunes humoristes présents sur YouTube, mais pas que, puisque maintenant c'est aussi à la télévision sur Canal+. Studio Bagel, donc c'est une quinzaine de chaînes sur YouTube, quelques 6 millions d'abonnés, 40 millions de vidéos vues par mois, donc un acteur assez majeur, même leader sur le secteur de l'humour et de la comédie en France et en Europe. Et vous avez initié pas mal d'OP avec des marques, dont une qui fera l'objet de votre présentation principale dans quelques minutes. Je pense qu'il y en a qui doivent la connaître. Ça s'appelle Mission 404. Et voilà, je vois des têtes qui acquiescent. Donc Mission 404, qui a été une très très grosse OP qui a été lancée l'année dernière en partenariat avec un annonceur, Orangina. Et donc Golden Moustache, voilà, le collectif de la chaîne M6. Et il nous racontera un peu la genèse de ce projet, comment ça s'est passé, le travail main dans la main avec Orangina, et finalement comment ils en sont arrivés à ce succès à la fois éditorial et, il nous donnera des chiffres, j'en suis sûr, financier. Olivier Missire, qu'on aura dans quelques instants aussi l'occasion d'écouter. Olivier, vous êtes le fondateur de... Ah, on a dit une bêtise. Non, c'est bon. Olivier Missire, vous êtes le fondateur de l'agence Brandcasters. Alors, agence majeure sur le marché du brand content. Et vous nous présenterez dans une minute une OP qui a beaucoup fait parler d'elle, qui était en partenariat avec Samsung. Ça s'appelait Les Geeks. C'était pas qu'une web série, c'était tout un écosystème, c'était du vrai 360 degrés. Et voilà, il nous en parlera dans 3 minutes, puisque je vais juste, avant d'avoir ces deux présentations qui dureront une quinzaine, vingtaine de minutes chacune, et auxquelles vous serez amené à participer, juste mettre les pieds dans le plat. Je vais mettre les pieds dans le plat en vous demandant, brièvement, de répondre à la question suivante. Est-ce que on est vraiment en phase de vraie création quand il y a un annonceur qui fait partie du plan de financement? Est-ce qu'on est toujours
dans la création ou est-ce qu'on on a déjà versé dans la publicité? Est-ce qu'on peut faire voilà, la vraie création avec un annonceur dans le plan de financement? Lorenzo. Allez, je me lance. Allez. Bonjour à tous, merci d'être là et de nous suivre peut-être sur Internet, sur les Internets. J'ai envie de te dire oui, ouais. Parce que sinon on n'en ferait pas d'autres, des opérations. Que si ça marchait pas à niveau créatif, je pense que les annonceurs nous solliciteraient pas. Je dirais ça pour deux raisons. La première, c'est que la publicité, ça a toujours été un vecteur pour dénicher des réalisateurs. Certains réalisateurs ont commencé par la publicité, voilà, des grands réalisateurs même. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui la création publicitaire ou affiliée à des marques sur Internet pourrait pas aussi permettre à des talents avec des budgets importants, plus importants de marques, de s'amuser et de créer des trucs ambitieux. Et la deuxième raison, je l'ai oublié, mais c'est pas grave. Du coup, je vais improviser. L'idée, c'est que nous, à chaque fois qu'on collabore avec une marque, c'est vraiment le mot de collaboration pour nous qui est important. On essaie d'être à jeu égal et du coup, on essaie de se respecter mutuellement et respecter les attributs mutuels à la fois de l'entité Bagel et des talents qui peuvent participer à la campagne ou au projet et à la fois de la marque pour que les deux s'entendent et collaborent et que chacun se respecte. La marque respecte le degré de comédie qu'il doit y avoir ou le degré de créativité qu'il doit y avoir dans un film et nous on respecte le degré de message ou de valeur que veut véhiculer une marque dans les associations qu'on peut faire avec elle. Voilà. Donc en fait j'avais bien deux raisons. Il y avait ces deux raisons et jamais vous avez été confronté, on va pas parler d'original puisque ça va être l'objet de votre présentation, mais sans dire de nom, allez soyons un, mais vous avez été confronté à des annonceurs qui finalement ont voulu s'immiscer vraiment sur le terrain éditorial, ont voulu tirer la corde un petit peu trop de leur côté. Ça vous est jamais arrivé d'avoir des annonceurs interventionnistes sur le plan éditorial? Vous avez pas? Bien sûr, il y en a, mais après on sait leur proposer des formats aussi. Il peut y avoir deux catégories d'annonceurs. La première catégorie, c'est les annonceurs qui voudront vraiment faire un divertissement pour une audience Internet et s'associer à ce divertissement. Il y a plein d'exemples. Mission 404 en est un. Après, il y a des annonceurs qui voudront absolument passer un discours de marque et mettre en avant le produit et ce qu'ils appellent le call to action, genre va acheter mon produit. Dans ce cas-là, on fait un autre format qui est plus un format qui se rapproche d'une vraie publicité. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins créative, mais disons que l'implication de la marque est plus importante puisque le discours de marque est plus proéminent. Mais voilà, après, on peut trouver des formats qui soient conformes à toutes les logiques, quoi. Très bien. Même question, même punition, Olivier. Même punition. Alors, pour rebondir sur ce que disait Lorenzo, on est confronté à la marque et à son service marketing. Et on est aussi confronté à, quand on doit produire un contenu, à des auteurs et excusez-moi s'il y a des auteurs dans la salle, mais l'ego créatif qui fait qu'on ne doit pas faire de la publicité. Alors nous sur les geeks avec Samsung, qui était le financier principal de cette série, on a eu cette contrainte-là. Donc on a décidé avec Samsung d'écrire. Alors déjà, moi, on a organisé au sein de Brandcasters un pool de développement marketing, un pool d'auteurs avec un directeur d'écriture au milieu pour faire le tampon, justement. Donc quand on a un brief commercial purement marketing, on le refait, c'est au directeur d'écriture que je vais le faire, et c'est lui qui va retranscrire ce brief commercial en brief d'auteur. Donc, important d'avoir une personne finalement entre les deux sphères. Qui soit un peu neutre. Qui voilà. Fasse le lien entre la sphère purement marketing. Pour nous, ça a été très important. Samsung nous a demandé de toute façon de faire des épisodes, du contenu dédié, et je ne voulais pas que ce soit publicitaire. Donc on a écrit, sur 70 épisodes, on a écrit 5 épisodes où on parlait des produits, mais c'était vraiment dans la scénarisation du contenu. On a notamment, je donne un exemple, Samsung sortait le prochain téléphone avec la puce NFC, donc on connaît, c'est pour pouvoir payer à distance, avec son mobile surtout. J'avais pas à sortir, tiens, regarde mon Samsung, regarde mon téléphone, regarde, j'achète une baguette. C'était pas comme ça qu'on voulait travailler. En revanche, on a scénarisé cette technologie, et non pas le téléphone, cette technologie dans un épisode spécifique. Donc on voyait effectivement dans un épisode un geek qui allait acheter des barrettes mémoire et qui sortait son téléphone pour les acheter. Mais on c'était juste dans la scénarisation du concept plutôt que dans la publicité avec du placement de produit, avec un gros plan sur Samsung et sur la marque.
Très bien. Justement, vous avez fait le lien avec la présentation que vous allez nous faire alors de façon informelle. Les questions, on les prendra à la fin de cette présentation avant de glisser vers le mission 404 de Lorenzo avec Golden Moustache et Bagel Orangina. Donc voilà, Olivier, je te laisse peut-être parler des geeks, la genèse. Voilà, je te laisse une dizaine, quinzaine de minutes. Et ensuite, on prendra vos questions sur cette OP en particulier. Voilà, si ça suscite des réactions dans l'assemblée. Donc peut-être Avant de repartir sur les geeks et pour expliquer tout ça, je voulais juste rajouter aussi sur la partie financière, en tout cas la partie publicitaire de Samsung. Nous, on leur a proposé d'avoir une web application qui permettait d'avoir des bons de réduction quand on débloquait certains contenus. Donc la partie publicitaire, elle passait plus par de la gamification de contenu que de la publicité dans le contenu. Et c'est, pour moi, c'est très important. Et ça va être la vidéo que je vais vous faire voir après, qui explique un petit peu tout l'écosystème. Mais en quelques mots, un jeune producteur est venu me voir en me disant, voilà, j'ai une licence, je suis en train de réfléchir à récupérer une licence qui s'appelle Les Geeks, qui est une licence de BD qui existe déjà. Donc il y avait à l'époque 5 ou 6 tomes qui existaient, qui étaient diffusés. Il est venu me voir en me disant, est-ce que tu peux faire quelque chose? Sachant que moi, je suis du marketing, avant de faire de l'audiovisuel, j'ai lancé Bob Sinclair sur des téléphones mobiles. Donc c'est aussi des modèles économiques pour l'industrie musicale qu'il fallait changer. Et aujourd'hui, toute la musique se met au branding. Mais bon, c'est juste la petite parenthèse. Donc c'est un métier que je sais parler à des marques avec un discours complètement différent et d'implication. On a regardé plusieurs marques et on a constaté... Alors je sais que c'est enregistré, je vais le dire quand même, mais on a constaté que Samsung était un gros copieur de technologie et pas forcément un gros leader, et c'est leur positionnement. Donc on savait que Apple avait sorti, on avait vu sortir l'iPad un an avant, et on savait donc un an après, Samsung allait sortir une tablette, et c'est pour ça qu'on est allé les voir. Donc on est allé les voir en disant, voilà, vous sortez une tablette, ça peut être intéressant de créer une façon de lancer un produit différemment, et nous on vous propose une série d'une trentaine d'épisodes, à la base, avec un élément supplémentaire qui est la gamification de cette série. Pourquoi regarder une série ? Je m'adresse à des geeks en plus, hein, ça s'appelle les geeks, je m'adresse à des geeks. Le geek aime bien transgresser un petit peu et hacker un petit peu tout ce qui se passait, et il n'est certainement pas regardé pendant 3 minutes 30, 30 épisodes, sans rien faire derrière. Donc ce qui nous intéressait, c'était de créer de la data, parce que là c'était aussi mon objectif marketing de marque. C'était de créer la data, générer, ils lançaient leur page fan sur Samsung, donc générer de la connexion à des nouveaux fans, et puis mettre en avant leurs produits. Donc on leur a proposé une série, une application gamifiée, du street marketing, de l'événementiel classique événementiel, un plan média. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les marques sont maquées avec les agences médias et c'est très compliqué d'aller les déloger, surtout qu'ils ont des contrats tracades sur plusieurs années, ou avec des régies. Et puis avoir aussi une logique de dire à la marque, c'est pas de l'achat publicitaire, c'est un investissement. Donc on peut commencer avec une exclusivité sur vos réseaux sociaux avec toute cette infrastructure d'applications gamifiées, mais ce qui serait intéressant aussi, c'est que derrière on passe en télévision et on vous emmène en télévision avec un plan média en télévision et continuer cette aventure en télévision. Dès le début, la finalité télévision, TNT. Dès le début, c'était, d'accord, en tout cas de notre côté, c'était la d'aller finalité. D'aller sur la TNT aussi. Quand on parle à une marque où on leur dit vous êtes coproducteur de ce contenu-là, et vous allez finir en télévision, là on parle juste à un extraterrestre, parce que ces marques-là n'ont pas du tout l'habitude, c'est pas le chemin classique, l'habitude de ces marques, c'est de mettre un budget pour lancer un produit et de comptabiliser les ventes derrière. Là c'est pas du tout ça, là on est sur cette logique de longue traîne, et puis ils récupèrent leur investissement, le fameux ROI ou retour sur investissement, sur 3 ou 4 ans. Donc c'est ça qui est intéressant. Pour tout ça, on est allé voir Samsung et on leur a vendu une opération globale un peu moins de 700 000 euros. Ça a tellement fonctionné que ça a donné une valeur faciale de visibilité d'1,2 million. Donc quasiment 50% de dépenses pour 50% de gains de visibilité en visibilité RP et marketing et médias. L'idée de toute cette ergonomie, c'était donc de créer, enfin tout cet écosystème, ça a été de créer de la data, de créer un buzz ou une viralité, et donc d'avoir une application qui permettait de gagner, à chaque fois qu'on regardait la vidéo, de gagner des points, chaque fois qu'on
la partageais sur les réseaux sociaux, ça débloquait des badges qui avaient une valeur de points. À chaque fois que je laissais un message, ça me donnait d'autres points. Enfin bon, je jouais des quiz sur des quiz et autres. Vous allez voir dans la petite vidéo, parce que tout est expliqué avec un anglais pas terrible, mais vous m'excuserez. Ce serait une vidéo qui résume, hein, finalement. Qui résume tout cet écosystème-là. Il y a aussi dedans ma petite trombine, mais c'est pas mon ego surdimensionné, c'est qu'il fallait que je fasse voir la vidéo dans un concours, mais j'avais pas le droit de faire de publicité Le but, donc, ça sera que vous repériez à quel moment on voit Olivier Mission dans la vidéo qui sera. J'ai pris un nom de pirate pour. C'est fait plaise, quoi. L'idée était d'avoir tout cet écosystème. Le résultat de cet écosystème, c'est que ça a fait 600 000 nouveaux fans en 6 semaines, je crois, sur Facebook, ce qui était considérable, ça a 2 ans et demi. Cette opération, ça fait sur les 600 000, 400 000 personnes qui sont passées sur l'application et 265 000 personnes. Les 600 000 sur la page donc de Facebook, de Samsung. Donc la page France. À l'époque, sur Facebook, on pouvait, quand on cliquait dans une vidéo, sortir de Facebook. Aujourd'hui, c'est impossible. Moi, je trouvais ça intéressant parce qu'on arrivait justement sur cette application et dans l'univers de la marque, et je sortais de Facebook. Donc, il fallait être fan pour voir la vidéo, pour cliquer sur les vidéos, mais quand on cliquait sur la vidéo, on était basculé sur cette web application multi-device, multi-format, c'est du blabla, mais c'est comme ça que ça fonctionnait. Pour donner donc ces chiffres-là, ça a fait 600 000 nouveaux fans. Il y avait 5 fans au début, on a fait 600 000 nouveaux fans en 6 semaines. On a fait 400 et quelques mille personnes qui sont passées sur l'application parce qu'ils ont cliqué sur la vidéo. Et comme on faisait un jeu concours quotidien, c'est-à-dire qu'effectivement, je regardais ma vidéo, je pouvais gagner 10 points, je partageais, je multipliais par 2 ou par 3 mes points, et à la fin, on me disait, si tu veux gagner aujourd'hui et faire partie du tirage au sort pour gagner la nouvelle galaxie, inscris-toi et donne-nous de tes coordonnées. Donc on générait de la data, et sur cette data générée, on a fait 265 000 adresses qualifiées. Donc c'est une vraie valeur aujourd'hui, ça, hein, pour Samsung. Donc le retour sur investissement de Samsung, il a été là aussi. Hein. C'est un investissement de visibilité pour créer un contenu, mais aussi parce que ça a généré de la data. Tout ça a fait cet écosystème, ça a très bien fonctionné. Donc le pilier, ce sont la web-série. Hein. Le pilier, c'est la web-série. Le pilier, c'est la web-série, donc vous le disiez, c'est 70 épisodes. 70 épisodes, 30 pour Samsung. 30 pour Samsung. Comme j'arrive avec une audience de 600 000 personnes, une audience de 265 000 inscrits, après je suis allé voir sur les chaînes de télévision, plusieurs chaînes. La seule qui est... TF1 m'a dit, est-ce que ça existe à l'étranger? J'ai dit, non. Donc, on ne l'a pas pris. Énergie 12, Gérald Brice-Viret, qui était à l'époque le patron d'Énergie 12, a trouvé le concept intéressant. Et surtout, je lui ramenais une économie. Je lui ramenais déjà une audience et je lui ramenais déjà une base de données. Ce qui l'a permis, lui, de prendre la série, de reproduire 40 épisodes supplémentaires et d'avoir cet écosystème au sein de d'Energy 12. Et on est allé voir, on a travaillé avec la régie pour dire à Samsung, continuez, vous avez commencé, continuez en télévision sur une période donnée, mais surtout ça a permis aussi à la régie de vendre cet espace-là pour avoir d'autres annonceurs autour de ça. Donc ça a été financièrement très intéressant pour l'annonceur, pour moi bien sûr, mais pour tout ce projet. En TNT, donc sur un réseau traditionnel de diffusion, quand le programme, donc c'est un programme court, est diffusé, la présence de l'annonceur, elle est à quel moment, avant, après, comment ça s'est passé? Alors elle était en opération spéciale plutôt, et en télévision avec le CSA, on n'a pas le droit d'avoir de logo dans le contenu, donc on a travaillé en production directement avec cette réflexion de passer en télévision, donc on a fait une double production à certains moments, c'est-à-dire qu'à certains moments on ne voyait pas les logos pour que ce soit exploité, on va dire, en télévision, et quand c'était sur le web et quand c'était notamment sur les sites de l'annonceur, on laissait effectivement les logos en gros. On a été discret, on n'a pas non plus bombardé le contenu de marque. Hein. On ne voulait pas faire de la publicité justement, on voulait rester dans le cadre d'une œuvre et d'une série. Cette fameuse sphère de la création, Exactement. Opération qui est vraiment 360 degrés, il y a d'autres aspérités. Vous parliez effectivement de street marketing, enfin, quels étaient les autres... Street marketing, alors c'était pour lancer un petit peu la série et créer le buzz autour de ça. Donc on a fait, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'on a lancé une trentaine de binômes en France, autour des lycées, pour faire des quiz sur des tablettes Samsung pour annoncer l'arrivée de la série. On a fait un plan média aussi avec eux. Bon, c'est leur agence média qui l'a
acheté et qu'il a, nous on a juste fait la stratégie, le media planning de l'agence. Et puis voilà. Vous voulez voir la petite vidéo ? On peut peut-être regarder. On peut voir. Alors là, je reviens juste sur l'accent, il n'est pas terrible. Ça vous explique un petit peu cet écosystème avec cette gamification. Voilà, ça dure 3 minutes 30 et ça explique ce que je viens de dire. Et on prendra les questions juste après, donc n'hésitez pas. Je suis le réalisateur un petit peu de ton... Tu es mon assistant. Les Geeks is a 15 episodes web series adapted from the eponymous graphic novel distributed in France and in the US. Vince and Fred are true geeks and can't live without video games, internet and their gadgets. This obsession leads them to quite some trouble, at work, in everyday life, but mostly with Julie, Fred's girlfriend who lives with the boys and doesn't share the passion for technology. Each episode is a new situation encountered by anti-heroes and highlights in a funny way their misfitting to the world. Les Geeks is broadcasted through a web application which was specifically developed and integrated into the series DNA from the writing on. Accessible through all devices and operating systems, this web application enriches the content to create a fully customizable viewer experience. On the landing page, the viewer is offered to connect via his Facebook account. When connected, the Facebook picture and name of the viewer is displayed on the upper right corner. This is the first step to personalization. Once connected, the web application unveils itself. The episode viewer is in the center of the app, surrounded by several menus. For each episode, a menu is available. Share on Facebook and Twitter to ensure social virality of the content and viewer recruitment. Comment in order to create interaction of the community inside the web app itself. Episode info. In addition to a full list of episodes, three types of contents created around the show are available from the homepage. Arcade games featuring the characters of the show in a colored geek environment. Quizzes on both the series and the geek universe. Bonuses, teasers, exclusive episodes, character presentations, original soundtrack, bloopers, and other exclusive content. In order to take the experience to a new level of gamification, rewards are distributed throughout the web application. Watching episodes, playing games, answering quizzes, sharing content, every action gives points to the user, and remarkable actions, first video watched, 5 videos watched, first tweet, unlock badges that stack up under the profile picture. The badges, like every piece of content on the web app, can be shared on Facebook and Twitter. Once again, to ensure social promotion of the series and the web app. Those badges give access to originally locked exclusive content found in the bonuses. At the end of every day, the users are ranked in the Hall of Fame, and the first 3 of the daily ranking are offered dotation from the commercial partners of the series. In a social media-driven digital world, gamification and reward are nothing without personalization. That is why we placed it at the center of the experience. To keep the points and badges earned during his navigation, the viewer has to create a profile, preferably via Facebook Connect, so he doesn't even have to complete his information once again. That being done, he can change his avatar and have access to his stats, scores, and unlock badges. This social ecosystem, a new way of delivering content, allows to create a real bond between the viewer and the content, and transform an audience into a tight community around the show. This is what Les Geeks is about. The ecosystem created around Les Geeks, taken as the only broadcast channel for this show, can and will also be used as a way of engaging the audience to a TV broadcasted program as a second screen initiative, driving a new audience to the show and creating new advertising space to monetize this audience. Vous l'aurez tous reconnu sur la vidéo, Olivier Missire, on l'a vu plusieurs fois. Est-ce que vous avez des questions sur cette opération et plus largement des questions pour Olivier Missire? Ouais, alors je vais faire hôtesse, hein. Par contre aujourd'hui c'est moi qui viendrai et qui vous donnerai le micro. Moi j'avais une petite question juste par rapport à la fin de la vidéo. Je voulais savoir la base de données des participants, quelle utilisation vous en faites et si Samsung y avait accès directement ou pas. Alors, c'est Samsung a payé toute cette opération, donc la base de données, Samsung a l'autorisation de l'exploiter, ne l'a pas fait.
En revanche, elle m'appartenait aussi dans un délai et me revient aujourd'hui à 100%. Donc, effectivement, comme on proposait un double opt-in hein, sur cette application, sur cette base de données, donc aujourd'hui, c'est une base de données qui est encore exploitée, qui a encore plus de valeur, d'ailleurs, à la location, et que j'exploite encore régulièrement. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question sur cette opération? Sinon, moi, j'en ai une. Je regarde. Ici, hop. Bonjour. Bonjour. Moi, par curiosité, je voulais savoir si vous avez fait d'autres opérations de ce style, parce que c'est toujours cet exemple-là que vous valorisez, mais je serais curieuse de savoir si... Alors, c'est le plus complet, c'est pour ça qu'on l'utilise régulièrement. Après, on en a d'autres, il y en a à venir, il y en a d'autres qui ont été faites pour une marque qui s'appelle The North Face, mais qui est énormément visible, non pas en France, mais en Europe, parce qu'en France, ils n'ont pas de marché, ils ne veulent pas la déployer sur la France. Donc oui, il y a d'autres opérations. Il y a un travail qui a été fait autour d'une marque média, un programme télé qui s'appelle Interville aussi. Interville, oui. Bon, on n'est plus dans le brand, enfin si, on est aussi dans le brand content, mais plus dans la logique de social TV. Et oui, ça c'est le dernier gros succès de cette année. Il y a aussi un contenu sur de la cuisine, un contenu sur de la musique. Mais c'est le seul que je présente parce que c'est le seul complet et qui touche vraiment tout le secteur d'activité marketing d'un annonceur. J'ai quasiment trois casquettes sur ce projet-là. J'ai la casquette du producteur, la casquette de l'agence, la casquette du marketeur et j'ai même la casquette du créateur musical autour de tout ça. Parce que pour la petite anecdote, j'en profite pour le placer. C'était ma question. Pour la petite anecdote, comme on faisait la production, on a fait la synchronisation. Et comme on faisait la synchronisation, on a essayé de créer un artiste autour de ça. Donc on a créé une jeune chanteuse, on a créé un album, on a dealé avec Energy le fait de sponsoriser des soirées sur Paris, Toulouse, Bordeaux et Lyon. Et on faisait tourner un petit peu tout ça, ce qui m'a permis de créer une économie encore parallèle, mais plutôt liée à la musique. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je prends cet exemple là parce que c'est le plus complet, c'est le plus réussi, on va dire 360 degrés pour le coup, vraiment circulaire. Ouais. Non, c'était un documentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon on va passer après sur la mission 404. Alors une question comme ça fera la transition vers ton cas pratique, Lorenzo. J'ai une question pour toi. La suite que tu as fait sur Energy 12, donc c'était 40 épisodes de plus, non 20 épisodes de plus, 40, et j'avais éteint mon micro en fait, pardon, je sais pas pourquoi. Et du coup la marque a continué à bosser avec toi? Non. Sur ces épisodes là Non, elle a continué à nous suivre en télévision autour de ces 30 épisodes qu'elle avait coproduits, et Energy 12 était le seul coproducteur des 40 supplémentaires. Il n'y avait pas de placement? Il n'y avait plus de placement, non. D'accord, non. C'est bien, mais du coup tu as pu quasiment financer le développement d'une série. Enfin, complètement. Tu as financé le développement d'une série. Aujourd'hui, on a 70 épisodes. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est enfin, on a signé avec Energy sur 3 ans, donc elle est encore sur Energy 12 jusqu'à septembre l'année prochaine, je crois. J'ai par contre dealé avec Samsung une exclusivité dans un temps très court, c'est-à-dire que 2 mois après l'opération, les droits me revenaient à 100%. Donc aujourd'hui, Samsung n'a plus de droits sur l'exploitation de cette série, donc elle me revient à 100%. D'accord. Très très bien. Merci beaucoup Olivier. On va se tourner vers Lorenzo. Lorenzo, même punition, sur mission 404, la jeunesse, comment ça s'est passé? Qui est venu vous chercher? Et peut-être présenter ce que c'est, puisque là depuis tout à l'heure je dis mission 404 comme si tout le monde le connaissait. Donc voilà, je te laisse la parole Lorenzo. Alors en fait nous, Orangina est venu nous solliciter dès le début de la création de Studio Bagel, parce qu'en fait c'est une marque qui avait investi le territoire de l'humour depuis quasiment 20 ans. Parce qu'ils avaient fait des pubs avec Alain Chabat, après ils avaient fait des tournées d'humoristes avec Jamel, avec Omar et Fred et tout ça. Donc ils avaient l'humour dans leur, dans l'ADN de leur communication. Donc en fait, ils sont venus au lancement de Studio Bagel en fait. Et parce que l'année d'avant, ils avaient aussi fait une opération avec l'agence No Sight, qui est une agence que gérée par Thomas Clément, qui fait pas mal de brand content aussi. Et ils avaient fait un truc qui s'appelait Orangina et les Vidéo Stars, où en fait ils avaient donné des enveloppes fermées à des youtubeurs
pour qu'ils fassent la promotion, enfin, pour qu'ils utilisent une bouteille d'Orangina dans leurs vidéos et avec la liberté totale, quoi. C'est-à-dire que, il y a vraiment des trucs, ils sont allés très très loin, certains, avec les bouteilles. Et voilà. Et donc, il y avait déjà, nous, une proximité avec l'univers, parce qu'on s'est dit, s'ils sont capables de laisser autant de liberté, c'est intéressant de travailler avec eux, parce que du coup, c'était notre premier coup de brand content. Depuis, on en a fait plein d'autres. Mais du coup, on ne voulait pas se louper, on ne voulait pas s'associer à une marque qui serait trop encerclante pour nous d'un point de vue créatif. Et ça n'a pas du tout été le cas. Donc, du coup, on a commencé à réfléchir sur la base de leur copie publicitaire classique faite par, enfin classique non, nouvelle faite par Fred et Farid. Je dis classique parce que c'est, je parle de pub télé. Donc Fred et Farid avaient un format classique, voilà, avec déjà de la créativité. Ils avaient fait les fameuses campagnes que tout le monde connaît, où Orangina a utilisé comme un déodorant ou un savon d'hygiène intime, etc. Ils lançaient une nouvelle copie qui était celle que on voit là sur celle-là là, donc où il y a les animaux qui sont en scène dans des différentes l'homme canon, enfin je sais pas, vous en avez, il y a eu une grosse couverture média. Et la problématique d'Orangina, c'était comment on essaye de tirer le fil de cette campagne télé sur le digital en s'associant avec notre collectif et aussi Golden Moustache, parce qu'ils avaient une volonté d'être complètement œcuménique sur les talents du web. Et nous, peut-être rappeler Golden Moustache, qui appartient au groupe M6, qui est une chaîne d'humour. Pour le coup, c'est pas tant un collectif, mais c'est plus vraiment une chaîne d'humour qui met en scène. Putain, si j'avais su que j'avais pitché Golden Moustache, quoi. Trop bien. tout arrive. C'est vraiment un salopard. Adrien Labastière, que je salue, mon ami. Non, mais c'est vrai en plus. On s'entend très bien. On a pu collaborer là-dessus. Qui est un collectif, voilà, qui est une chaîne d'humour qui cartonne aussi et qui s'est lancé vraiment quasiment au même moment que nous. Donc en fait, on en était au même niveau de développement avec Golden Moustache. Et du coup, Adrien et moi, on a collaboré sur ce projet. Donc Adrien, fondateur de Golden Moustache, et moi. Et comment c'est né ? Donc tout simplement, ils nous ont dit voilà, lâchez-vous, proposez-nous un dispositif original. Ils nous ont montré les copies. Ils nous ont dit la seule contrainte, c'est d'essayer de rester dans le côté rester vivant, buvez Orangina. Donc et avec ce côté, avec ce claim là que vous voyez, donc 0% des buveurs d'Orangina, etc., non jamais. Voilà. Et du coup, on a décliné ça en deux formats qu'on leur a proposés. Le premier, on s'est dit, on va faire en gros la vidéo ultime des internets, quoi. Bon, avec la modestie qui nous caractérise, on s'est dit voilà, on va essayer de réunir, comme on a en gros Golden Moustache, Bagel, qu'en gros il y a une vingtaine d'influenceurs qui sont parmi ceux qui font le plus de vidéos créatives sur les internets. On s'est dit bah voilà, on peut faire cette vidéo ultime, donc on a mis tout le monde autour de la table. Peut-être juste rappeler les noms de ces fameux. T'as une demi-heure. Chez toi, pas alors, chez Golden. Chez nous, il y a tous les talents du Bagel. Donc il y a Mister V, il y a Jérôme, la ferme Jérôme, il y a Monsieur Poulpe, il y a Maximuska, Natou, Kevin Razi, Kema, Ludovic, Grégory Guillotin, donc Bengui. J'en ai oublié, je vais me faire défoncer si j'en oublie. Bref, c'est sur le site. Et du côté Golden Moustache, il y en a plein d'autres, David Mourier, des humoristes de stand-up, enfin voilà, plein de gens. Donc on a le concept de Mission 404, c'était le court-métrage, la vidéo ultime, un format qui se pratiquait pas trop à l'époque, parce qu'il était ambitieux en termes de production, qui était le format court-métrage vraiment, donc pour le coup 15 minutes qui n'est pas du tout court normalement sur YouTube, 15 minutes. Qui était à l'époque, alors aujourd'hui c'est vrai que, et ça bouge vachement vite, hein. Aujourd'hui les longs formats sont de plus en plus courant, mais à l'époque, non. À l'époque, vraiment, on était sur du short, mis à part Le Visiteur du Futur ou des expériences comme ça, financées grâce à l'aide de la télé ou d'éditeurs comme Ankama. Il n'y avait pas vraiment trop. Donc, on s'est dit, voilà, on va faire cette vidéo-là. On a mis ensemble nos pools d'auteurs. C'était une expérience de collaboration de deux collectifs. C'était assez cool. Et nous, on a fait la production exécutive de ce film-là, avec réalisé par Ludoc, qui est un de nos réalisateurs fétiches. Et on a mis en ligne cette vidéo. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, pour revenir au sujet du brand content, c'est que quand une marque laisse totalement libre des créateurs de raconter une histoire intéressante, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est un vrai divertissement qui est un petit peu épique. Voilà, on est dans un univers un peu heroic fantasy. On va en voir quelques images. Qui emploie tous les codes de l'univers geek. Il y a plein de références à Twitter, à Facebook, à plein de trucs. Et du coup, voilà, c'était l'objectif de se dire, on veut toucher une génération de gens qui sont effectivement les gens qui vont être à même de consommer de l'Orangina. On va pas leur dire achète de l'Orangina parce que c'est une super boisson. On va leur offrir un contenu qui va être cool et qui va leur parler. Et c'est une autre manière de les toucher, en fait. Et peut-être de les toucher plus émotionnellement
que de les toucher par un bête call to action. Voilà. Et en fait, cette communication en fait, émotionnelle, donc bah, c'est le brand content en fait, hein, on n'a rien inventé, c'est beaucoup plus, je pense, efficace. Et au final, les retombées, ça a été 6 millions de vues. La page Orangina qui a bondi en termes d'abonnés, je vois pas le chiffre là aujourd'hui, mais il est bloqué par le bout de l'écran, mais bon, elle a vraiment fait un énorme bond en termes d'abonnés. Et après, il y a eu une conversation générée autour du film qui était énorme sur Twitter, sur Facebook, une couverture presse aussi. Énorme. Et du coup, pour Orangina, et surtout ce qui est le plus important pour eux, c'est qu'il y a eu énormément de commentaires de gens, d'internautes qui disaient merci Orangina, comme si la marque, et c'est ce qu'elle a fait en fait, avait fait un cadeau en fait aux internautes en leur offrant un film qu'il n'y aurait pas pu avoir sans la marque en fait. Et donc c'est ce côté marque mécène et communication institutionnelle que moi communication émotionnelle que moi je retiens dans Mission 404. On a doublé ça d'un plan et là aussi on a inventé une manière de bosser avec les marques qui maintenant nous amène à le faire de plus en plus, qui est de faire nous-mêmes les pré-rolls de nos chaînes. Donc les pré-rolls, c'est rappeler ce que sont les pré-rolls, ouais. Petites vidéos de 30 secondes ou de 1 minute ou de 20 secondes qui se retrouvent avant les vidéos sur YouTube, qui sont skippables ou non skippables, c'est-à-dire qu'on peut les zapper ou pas. Et donc on s'est dit, ces pré-rolls sont sur notre chaîne. À chaque fois que les gars ils viennent voir des vidéos chez nous, bah, ils se tapent des pré-rolls. Bah, quitte à ce qu'il y ait des pré-rolls, autant que ça soit des pré-rolls que nous on fasse en fait. Et du coup, on a fait nous-mêmes des vidéos apéritives en fait à nos propres vidéos. Et du coup, on a bien distingué le contenu publicitaire dans lequel nos talents étaient impliqués avec le contenu créatif qui était sur notre chaîne. Donc en fait, du coup, il y a eu une série de pré-rolls. Tu vas me laisser parler, bon Dieu. Non, vas-y, je t'en prie. Il y a eu une série de pré-rolls, de 8 pré-rolls, qui déclinaient aussi cette signature publicitaire. Voilà, Restez vivant, buvez Orangina, où là pour le coup on faisait de la pub. C'est pour ça que je disais, quand tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut travailler avec une marque qui a envie. Il y a un format pour tout en fait. Tu vois. Donc il y avait ce format pré-roll qui était pour le côté très vas-y, on balance de call to action, etc. Et le format plus émotionnel qui était Mission 404. Il y a quand même dans le format de 15 minutes un petit clin d'œil dans le contenu. Alors, à Orangina. Il est présent. On a fait l'inverse de ce qu'il faut faire quand on fait du placement de produit. C'est-à-dire qu'on a caché les placements de produits, on en a mis 7 dans la vidéo et on a eu des idées comme ça avec les auteurs. On s'est dit ça serait marrant qu'il y ait un buisson en forme de bouteille d'Orangina ou qu'il y ait à un moment donné une clé USB qui soit posée sur une table mais genre tu vois pas du tout dans un coin d'un plan, etc. Et on a escamoté en fait tous les placements, il y en a 7. On a fait un petit jeu comme ça sur Facebook qui a été pas mal activé. On a fait gagner le fait d'assister au tournage parce qu'on a scindé le tournage en deux justement pour permettre aux gens de venir. Et du coup en fait on a fait l'inverse de ce que tu fais généralement quand tu fais du placement. Tu fais ton beau plan de 3 secondes posé où tu vois comme ça ton produit. Et donc du coup là c'était l'inverse. Et en plus on a même on s'est même moqué de la marque dans le film, puisqu'à un moment donné il y a un des personnages qui arrive déguisé en Hop Sandwich et il dit restez vivant, buvez Orangina, et en fait il se fait skipper par l'un des autres personnages enfin voilà, parce qu'il saoule tout le monde, parce qu'il est en train de bloquer l'action en fait. Donc voilà, donc on s'est même moqué de la marque et de la manière de communiquer de la marque. Voilà, et je pense que c'est, on peut saluer, il y a de plus en plus d'annonceurs hein, qui sont comme ça maintenant et qui réfléchissent, et justement ce truc là a ouvert la voie. Maintenant on a eu depuis beaucoup de briefs et on a fait, je pourrais en parler d'ailleurs si vous voulez. On va quand même regarder, alors pas les 15 minutes mais on va vous proposer de regarder, quel dommage, allez 3-4 minutes, enfin le début de ce long métrage de 15 minutes que vous connaissez peut-être mais que certains connaissent pas. Voilà, allez 3-4 minutes pour illustrer ce que vient de dire Lorenzo. Mesdames, Messieurs, le monde est sous le choc. Nous assistons au plus gros bug qu'Internet n'ait jamais connu. Messieurs, c'est la merde. On assure la sécurité d'Internet depuis 20 ans et le jour qu'on craignait le plus est arrivé. Le bug frappe les sites du monde entier, mot de passe, mail perso, compte bancaire, tout ce qui était privé ne l'est plus. Si Internet part en couille, c'est qu'il y a une raison. Mon historique a été mis en ligne. Chérie, écoute-moi, je ne connais pas ces sites. Je respecte les animaux. C'est à vous d'intervenir. On a enfin retrouvé le possesseur des codes d'accès à l'arme nucléaire. C'est le petit Julien, 10 ans d'âge mental. Nous ne savons toujours pas ce qu'il compte en faire. Le petit Julien peut nous faire péter à tout moment. Alors il faut agir vite. Votre mission est simple. Entrez dans l'Internet, neutralisez la menace et restez vivant. Votre café, monsieur. Merci, Karaté Swag 22. Moi, c'est Martin. Ah bon? Parce que moi j'ai vu une vidéo où c'était plutôt Karaté Swag 22.
Et là, regarde l'aquarium. Bam! Hey, tais-toi maintenant! Ça dégage! Va me chercher une touillette. Oui, monsieur. Bon. À l'origine du bug, le lieutenant Caporal Blaster, mon ancien équipier. Pour le bug de l'an 2000, une équipe est intervenue dans Internet. Et Blaster n'est jamais revenu. On le croyait mort, mais il refait surface. Il y a de fortes chances qu'il soit un peu vénère. Derrickson sera votre guide. Votre mission, neutraliser Blaster et sauver Internet. Bonne chance, messieurs. Pénétration dans Internet dans 3... C'est bon, monsieur, j'ai votre touillette. 1... Bon voyage. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous là, Karaté 52? Non mais en fait, j'ai une touillette! Ok, courez! Courez! Qu'on trouve le refuge de la résistance. Bonjour. Voulez-vous augmenter la taille de votre pénis? Non, là on n'a pas le temps là. Ok, bah du coup je. Oh mon Dieu. Ok, il nous faut l'eau, courez! Bonjour, vous êtes sûr que vous voulez pas grandir la taille de votre pénis hein? Putain, j'ai dit non! Ok, c'est bon, j'ai compris cette fois. C'est... Bonjour Laurent. Tu cherches un plan cul dans Paris 75? Putain de pop-up de merde, parlez-vous! Les filles de ta région. Vous avez de la chance. Merci, madame... Google, et c'est mademoiselle. Ah, putain, barre-toi. Économise tes paroles, bonhomme, il te reste plus que 140 caractères à dire. Mais non, mais c'est pas possible, je suis le guide ici, je suis super important pour les... Ouais, mais si t'es con aussi... Je crois qu'il me faut un médecin, là. Bonjour, je suis Doctissimo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oula. Bon, voilà, enfin, vous voyez ce que ça donne. Bon, on a déjà regardé 4 minutes, hein, ça passe vite. Ouais, je voulais essayer de chercher le moment où on voyait... Je demandais le fameux placement de produit inversé. Alors, placement de produit, peut-être, mais je vais te montrer, ouais. Je vais vous montrer le... Essayez de pas vous spoiler. Ah voilà, c'est là. Voilà. En fait, on voit le comment on se moque de la marque. www, t'es en train de mourir comme une grosse merde.com/grosconnard.fml. Martin, attrape! Hop, attendez, excusez-moi. Restez vivant, buvez Orangina. Yeah. Pardon. Ouais, donc on voit bien que vous êtes moqué de, effectivement. De... Donc ça c'est la seule présence de marque vraiment, enfin obvious du truc. Et l'autre truc que je voulais vous montrer c'est les pré-rolls, donc qui étaient du coup en pré-roll de nos vidéos et qu'on a aussi posté sur la chaîne d'Orangina pour qu'ils fassent encore plus de vues. Et c'est des petits formats très courts de 30 secondes qui sont là pour le coup plus publicitaires. Jack, je suis si froid. Je sens que je vais partir. Non, ne pars pas. Je ne pourrais pas survivre sans toi. Là ou sinon, tu pourrais me laisser une petite place. Hein? Oui, bon, je savais pas pour combien de temps on allait rester coincé ici. Fais pas la tête. Je suis le maître du monde. Non. Bon.
Donc là, donc c'est clairement quelque chose de différent hein, par rapport. Voilà. Et donc on en a fait 8, du coup on pouvait accéder aux autres. Bon, je vous évite les autres. Mais voilà, en gros les deux, les deux piliers du truc, ils avaient leur call to action classique avec cette série de pré-roll et du média du coup qu'ils ont acheté. Parce que nous, en fait, la particularité de notre structure, c'est qu'on fait, on fait du conseil aux marques. Ils arrivent avec juste un brief, c'est-à-dire, et nous on propose un concept, des scripts, à la vente de médias en fait, à la production bien sûr entre les deux, à la vente de médias puisque avec le MCN dont on parlait tout à l'heure, qu'on a créé, qui a fédéré donc les talents qui travaillent avec nous et qui représentent une surface média d'à peu près 40 millions par mois de vidéos vues, bah du coup cet inventaire publicitaire là, on le commercialise quand on aura des opérations spéciales, du coup les marques peuvent amplifier la collaboration avec nous en étant aussi présent par le biais de l'achat média sur notre propre plateforme. Et c'est ça le modèle en fait qui nous amuse aujourd'hui, c'est d'arriver à collaborer avec des marques, de dire il y a des espaces publicitaires que nous on maîtrise puisqu'on les vend, sur lesquels on peut travailler ensemble avec nos talents, avec nos auteurs, avec nos réals, pas forcément nos talents d'ailleurs, des fois ça peut juste être nos auteurs et nos réals parce qu'il y a notre patte sans forcément qu'il y ait un talent qui soit endorsé. Et derrière, on a la capacité à médiatiser ça de façon naturelle avec l'usage de nos communautés. Pour le coup, là, c'est pas un média qu'on vend, mais c'est un média qu'on package dans le même deal, quoi. Donc, en gros, généralement, nous, nos OP, elles ressemblent à une partie prod, une partie média et une partie activation sociale naturelle qu'on offre. Tout ça pour le prix indiqué. Pour parler thunes, du coup, parce que comme tu en as parlé, du coup, je suis obligé d'en parler. J'allais te poser la question. Parce que sinon, ça fait le mec qui cache des trucs. En fait, nous, Orangina nous a donné, pour la production de l'ensemble des pré-rolls et de la vidéo de 15 minutes, 200 000 euros. Donc, ce qui n'est pas grand-chose. Mais c'était notre première opération. On a eu suffisamment d'argent pour payer très bien les talents et nous faire la prod comme on le voulait avec les moyens qu'on voulait. C'est sûr qu'on n'a pas eu tous les moyens que peut avoir qu'on peut avoir dans la production de long métrage ou de court métrage d'ailleurs même, mais on a fait ce qu'on a pu. Et après, en plus, il y a une enveloppe média qu'ils ont investie, dont j'ai pas trop le montant, mais je crois qu'elle doit tourner autour de 200 000 euros pour marteler tout ça et pour essayer de. Alors là, je parle que de l'investissement média pour les pré-rolls, hein, parce que les 6 millions de vues que vous voyez là sur le compteur ne sont pas des vues. Enfin, acheter quoi, je veux dire, ce sont pas des vues. C'est des vues bio en fait. Voilà. C'est naturel. Voilà. Est-ce que ça vous inspire des questions sur cette opération et plus largement, voilà, pour Lorenzo et Olivier sur ces contenus de marque. Sinon, moi, j'ai des questions. Il n'y a pas de souci. Non. Ouais, merci. Je fais toujours hôtesse, hein, je précise. C'est une comédienne, c'est la même que tu as eu tout à l'heure. Je suis désolée, hein, j'ai toujours beaucoup de questions. Non, je vais le demander pour Brandcasters, vous avez dit que c'est... C'est même pas une question pour moi, quoi. Vous avez dit que c'est un producteur qui était venu vous voir et après vous aviez repéré que Samsung correspondait. Oui, dans ce cas-là, oui. Voilà. Alors, d'une manière générale, comment ça se passe? Est-ce que vous avez plutôt... Et donc, Studio Bagel, vous êtes producteur et vous avez les marques qui viennent vous voir. Et voilà. Donc, je voudrais savoir, moi, par rapport à Brandcasters, est-ce que, des producteurs, vous encouragez les producteurs à venir vous voir ou vous allez plutôt chercher les gens que vous connaissez voilà. Non, beaucoup de producteurs viennent me voir. Je reçois beaucoup, beaucoup de dossiers. Je ne peux pas tous les traiter, hein, mais beaucoup de producteurs viennent me voir et puis après je fais en fonction. Comme j'ai plus un profil marketing, je vais réfléchir à ce qu'une marque attend avant de réfléchir à la créativité du concept. Tout de suite en regardant un contenu, je vais voir si je peux faire créer une zone d'engagement pour créer une communauté autour. Donc le contenu va être choisi en fonction de ça aujourd'hui. Moi, j'ai une question pour Lorenzo. Tu nous as montré deux formats. Tu nous as montré deux formats très très différents. Donc, effectivement, un court métrage de 15 minutes qui s'apparente, un court métrage classique avec cette petite effectivement spécificité que tu nous as développée et que c'est fait pour Orangina et dans des conditions spéciales. Mais on est sur un contenu assez classique et un autre qui est un pré-roll vraiment publicitaire. Au niveau des talents, des créatifs, est-ce que tu as eu des retours différents? Est-ce qu'il n'y a pas eu plus une facilité à s'inscrire dans un court métrage de 15 minutes qui est peut-être pour un créateur plus facilement
acceptable que pour une publicité où on voit effectivement directement le produit. Enfin, raconter un petit peu comment ça a été ressenti par tes talents au sein du collectif. Bah, en fait, il y a des talents qui veulent absolument pas faire des collaborations avec des marques, pas chez nous, parce qu'ils ont bien compris que c'était pas le diable et que du coup on pouvait se servir de l'argent des annonceurs pour faire des choses cool. C'est vraiment nous, notre logique, c'est de se dire bah voilà, les gens veulent collaborer avec nous, ils nous donnent les fonds pour faire des trucs qui sont intéressants. C'est notre logique. Il y en a d'autres qui sont complètement hermétiques à ça. Nous, en fait, on a vraiment professionnalisé ces collaborations parce que maintenant on a une cellule d'auteurs qui est dédiée en fait au brand content. On se réunit une fois par semaine. C'est des auteurs qui sont mélangés en fait entre des gens de Studio Bagel et des gens des concepteurs rédacteurs parce qu'on veut avoir les deux casquettes et parce que c'est intéressant aussi d'intégrer les gens qui pensent un peu différemment, comme les gens de Bagel pensent différemment puisqu'ils pensent vidéo, etc. Et qu'est-ce que ça va être drôle, pas drôle, etc. Les gens de pub se disent comment on va essayer d'activer et par rapport aux intérêts du client. Donc on essaie vraiment de faire se mélanger les deux logiques. On a systématisé ces réunions parce qu'en fait, on a de plus en plus de briefs qui tombent. Comme on a des chaînes différentes, l'idée c'était, on est en train de créer des nouvelles chaînes pour que la pression publicitaire ne soit pas trop forte sur Bagel, parce que l'année dernière on n'a pas fait tant d'Obexa, on en a fait 4 ou 5. Sur Bagel c'est un maximum. Parce que après, peut-être, on se dit. Peut-être nous parler justement pour. On a bien développé celle d'Orangina et nous voilà nous raconter les quelques Orangina, autres. On a fait, avec Samsung d'ailleurs, on a fait une opération qui s'appelle la Vine Factory, où en fait on a créé une Vine Factory pendant 5 jours, où 5 de nos talents ont fait des Vines sur mesure par rapport à des tweets activés sur la communauté de Samsung en réaction au lancement du Samsung Galaxy S5. C'est une opération qui a fait 15 millions de contacts sur Twitter. Donc, on s'ouvre aussi à d'autres médias que YouTube. Il n'y a pas que YouTube, il y a Vine et il y a Twitter, parce que c'est aussi un marché. Notre marché, c'est comment on arrive à faire en sorte que l'audience de nos influenceurs soit valorisée et comment eux arrivent à développer des revenus. C'est tout notre métier de MCN, comment ils arrivent à ces créateurs-là développer d'autres revenus. Donc, du coup, ça passe par d'autres plateformes. On a fait une opération avec Ubisoft, où on a fait l'E3 en fait avec eux. L'E3 c'est le salon de l'électronique jeux vidéo là, qui a lieu en juin à Los Angeles. Et du coup on a fait 3 vidéos avec eux où on parodiait un peu des jeux qui sortaient. Donc il y avait Far Cry, un jeu de bagnole dont je ne me souviens plus. Non, c'est pas bien. Merde. Et bref, et Assassin's Creed là, on va lancer la chaîne de gaming, parce que justement, ouais. Je disais, on crée une nouvelle chaîne qui est une chaîne de gaming, qui s'appelle Studio Gaming, et on va la créer là fin octobre pour justement faire en sorte qu'on puisse ouvrir des canaux pour faire des collaborations avec des marques sans forcément trop mettre de pression sur le vaisseau amiral, entre guillemets, Studio Bagel. Et la même chose dans le cinéma, parce qu'on lance une chaîne cinéma aussi le 8 octobre pour là aussi collaborer avec des distributeurs de ciné et de faire des vidéos. Là, on va commencer avec Labyrinthe. Avec Fox, donc un film qui sort bientôt. Vous avez peut-être vu les affiches dans la rue. On va faire une vidéo. Concrètement, voilà. Ça sera quoi ces vidéos qui accompagneront la sortie d'un film? Le distributeur d'un film vient vous voir, vous dit évidemment mon film sort dans X semaines. Vous, c'est quoi? Ça va être des courts-métrages aussi longs que celui-ci dans des... En fait, l'ambition de cette chaîne avant tout, c'est de faire du contenu créatif. C'est pas de faire des opérations spéciales. C'est de s'amuser avec l'univers du cinéma. L'univers du cinéma, c'est un univers qui nous passionne tous depuis qu'on a créé Bagel. On ambitionne d'aller vers là. Et du coup, s'approcher de ce milieu en jouant avec les codes du cinéma, c'est le concept de la chaîne. Après, il se trouve que comme on a une audience et que certains films veulent toucher cette audience, on est contacté par des distributeurs et ensemble on essaye de réfléchir à des vidéos qui soient des vraies petites vidéos de fiction qui parlent du film qui sort, donc voilà, avec des petits scénarios qui mettent en scène le pitch du film ou un aspect du film. On l'avait tenté l'année dernière avec Paramount, parce qu'on avait fait une vidéo avec eux pour la sortie de World War Z. On était allé faire un red carpet de Brad Pitt, avec Ludovic et Gaël Mektoub. Tous les deux étaient partis un peu en road trip pour aller interviewer Brad Pitt. On avait fictionné le truc, on s'était rendu compte que c'était un format qui marchait bien. Et du coup, on s'est dit que c'était une manière de collaborer de façon intelligente avec des distributeurs. Et la même manière,
En fait, c'est des produits culturels. Donc, c'est pas pareil que. Enfin, moi, je les considère pas comme des marques. Oui, un film, comme c'est différent d'une bouteille d'eau gazeuse. Voilà. Ou de... Donc, c'est plus des collaborations éditoriales entre un distributeur et nous sur un concept. Et de la même manière, dans le jeu vidéo, c'est pareil. C'est de l'industrie culturelle. Donc, c'est pas honteux. Là, la chaîne gaming, on la lance avec Ubisoft. On fait une collaboration avec eux sur le lancement de Assassin's Creed Unity. On va faire une vidéo dans l'esprit d'Assassin's Creed Unity, donc en costume, avec les assassins qui sont mis en scène, etc. Ça va être une super chouette vidéo, grosse vidéo, grosse prod. Et voilà, et ça reste un truc créatif. Effectivement, on parle d'un jeu, mais ça reste cool, quoi. Et je pense que ça contentera notre audience. Très 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 bien. Est-ce que alors, on peut pas parler des geeks parce qu'on a vu la vidéo, mais on n'a pas vu un extrait de la web série. Donc je vais poser la question pour Mission 404. Allez, on est entre nous. Est-ce que pour vous c'est de la création? Ça hoche allez, la tête. Ouais. Non, qu'on rigole un peu. Voilà, c'était. Je cherchais forcément du. En tout cas, voilà, c'était l'idée de cette discussion. Non, mais c'était la boucle est bouclée. Qui ne dit mot qu'on sent. Hein, j'ai envie de dire la boucle est bouclée, puisque je suis parti dans l'introduction que j'ai faite sur cette notion effectivement de liberté éditoriale, de savoir si on était ou non dans la sphère de la création. Donc voilà, l'idée de ces deux présentations, c'était que vous appréhendiez le sujet. Après, chacun se fait sa propre opinion. Mais en tout cas, on peut les remercier vraiment chaleureusement parce qu'ils nous ont bien éclairés et vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup.